Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Si vous êtes en vacances, j'espère que celle-ci se passe bien. Si vous êtes au travail, eh bien je suis de tout cœur avec vous puisque moi-même je continue à travailler. Et j'avais besoin de vous faire cette vidéo parce que déjà ça fait plusieurs jours qu'on s'est pas vu. Mais comme vous le savez, j'ai adopté un rythme un petit peu plus vacances, donc plus tranquille, moins soutenu, moins de vidéos, pour prendre davantage de temps pour moi, pour mon travail, et puis surtout pour un projet dont je vous ai parlé en live sur Twitch, que je vous ai parlé aussi sur l'onglet communauté et sur mes réseaux sociaux. Et je vais maintenant vous livrer en vidéo ce projet-là qui est absolument incroyable. C'est peut-être le terme, puisque pour ceux qui ne l'auraient pas su, je suis en train d'écrire un roman. Oui, oui. Alors, ça m'a pris non pas comme une envie de pisser, puisque c'est dans mes cartons déjà depuis quelques temps, mais c'est vrai que pour l'instant, j'avais un petit peu mis de côté parce que j'étais pas dans le mood du truc, voilà. Et puis, le destin, parce que là, très clairement, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, mais le destin m'a envoyé une personne très précise sur mon chemin qui m'a permis de mettre en exergue certaines choses, certaines évidences, de rassembler certaines pièces du puzzle qui ont agi un peu comme un déclic sur moi et j'ai repris par conséquent ce projet de livre que j'avais. Aujourd'hui, eh bien, il est à moitié terminé, déjà. C'est-à-dire qu'en l'espace de même pas 15 jours, j'ai torché 130 pages d'écriture. Ce roman sera dans une thématique très particulière, très précise. Pour ceux qui ont suivi sur le live, vous savez de quoi ça a parlé. Pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, qui ne sont pas sur Twitch, je vais vous le dire, rassurez-vous. Je suis en train d'écrire une sorte de roman fantasque sur l'univers des enfers, mettant en scène plusieurs choses qui vont bouleverser vos fondations, vos bases, vos croyances, qui vont vous plonger dans une introspection qui vous laissera très certainement dubitatif. Et c'est un voyage dans lequel vous ne ressortirez pas indemne, ça je peux vous le dire, puisque moi-même je me suis retrouvé pris dans mon propre piège. Et cette vidéo-là fait suite à quelque chose de très précis que je viens de vivre aujourd'hui et qui me bouleverse dans mon être le plus profond, qui vient ébranler absolument tout ce que je croyais, toutes mes conceptions, toutes mes convictions, absolument tout. Alors, je suis désolé, cette vidéo s'annonce extrêmement sérieuse, hein. On va peut-être pas rire toutes les 5 minutes comme on a l'habitude de le faire, et veuillez m'en excuser, mais je me dois de vous partager ça, parce que cela risque d'impacter sur la suite de ce que je vais faire, sur la suite des vidéos, sur la suite de tout le reste, sur ma spiritualité aussi, qui risque de changer, enfin c'est pas qu'elle va changer, non, je vous rassure, je vais pas changer, je vais rester tel que je suis, mais c'est juste que, je sais pas comment vous dire, c'est comme si la spiritualité matérialisée, personnifiée, venait pour me mettre une immense gifle et bouleverser absolument tout ce que je prenais, alors pas pour acquis, mais tout ce en quoi je croyais a été éradiqué complètement pour laisser place à quelque chose de, alors je vais pas dire nouveau, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà en moi, mais peut-être qui était altéré, qui n'était peut-être pas complet, qui manquait peut-être de substance. Et j'en suis vraiment bouleversé, parce qu'en plus de ça, ça fait suite également à quelque chose que j'ai demandé à une entité bien précise. Il y a 2 mois de ça, je vais vous faire une petite confidence, mais sans rentrer dans les détails, parce que j'ai pas envie de vous en parler, ça me concerne que moi. Et cette personne qui est dans la confidence, parce que, eh bien, on a exposé certaines choses, l'un et l'autre, et il s'avère que, comment je pourrais vous dire ça? Vous pouvez rencontrer des personnes dans vos vies avec lesquelles vous allez avoir des atomes crochus, avec lesquelles vous allez avoir des points communs, etc. Mais avec cette personne précise, c'est beaucoup plus particulier parce qu'en fait, on vient de réaliser l'un et l'autre qu'on avait été manipulé,
au sens propre du terme, par des forces qui, croyez-moi, les amis, dépassent tout notre entendement. Vous le savez, j'ai toujours cru en des puissances. J'ai toujours cru que l'univers ne se limitait pas à notre réalité. Ces convictions sont ancrées en moi. Depuis aussi jeune que je pouvais l'être quand j'ai commencé à vivre toutes ces choses, à partir de l'âge où j'ai commencé à réfléchir, à poser des questions, et ben en fait j'ai été baigné dedans et j'ai grandi là-dedans. Et en fait je réalise que toute ma vie, on m'a fait vivre des choses, on m'a fait passer par des épreuves, par des choses, parce que je devais comprendre, parce que je devais ouvrir les yeux, parce qu'il me fallait vivre tout simplement ces expériences. Et aujourd'hui, quand je fais le bilan de toutes ces expériences-là, elles sont particulièrement débilitantes, parce que je réalise que je viens de parodier, en fait, certaines entités en réitérant les mêmes actions, en vivant les mêmes choses, en traversant le même type d'épreuves, en vivant les mêmes injustices. C'est, je sais pas comment vous dire, je vous promets que c'est vraiment perturbant ce que je suis en train de vivre. Et j'essaye de vous mettre des mots sur ce que je ressens et mon Dieu que c'est dur. Vraiment, c'est très très dur. Ce roman... Alors, je vais vous faire là aussi une confidence. Ce roman, à la base, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était vraiment pour conter une histoire, raconter une histoire. Voilà, il devait y avoir plein de choses. Vous verrez, je pars dans les extrêmes, mais dans tout, c'est-à-dire que tous les aspects de la vie, eh bien, je traite de tous les aspects de la vie pour en offrir un reflet complet et qui ne soit pas altéré par quelconque autre entité, pour vous offrir, eh bien, la quintessence même de ce que en quoi je croyais. Le personnage principal, le protagoniste, le héros, on pourrait dire, bien que ce soit plus un anti-héros, mais le héros, eh bien, à la base, devait être figuratif et servir de prétexte. Et rapidement, j'ai découvert, en fait, que je me suis retrouvé plongé au cœur de ma propre introspection, en vivant moi-même les actions que j'écrivais dans le livre, mais au-delà, en fait, de cette chimère, hein, j'ai découvert que certaines choses ont surgi de mon esprit. Je ne sais pas d'où elles sortent. Je ne savais même pas que je les possédais dans mon esprit. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas complètement convaincu qu'elles proviennent de mon esprit. Parce que je vais vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion. À la base, vous le savez, je suis pas écrivain, donc pour le coup, ce roman, c'est mon premier roman, et voilà, il sera peut-être pas parfait, ni quoi que ce soit. Donc j'ai écrit avec mon cœur, j'ai écrit comme je le ressentais, et là, j'ai terminé la première partie, puisque vous verrez, le livre est divisé en deux parties, qui chacune ont leur propre identité, mais tout en conservant un fil rouge entre les deux. Et il y a des choses que j'ai décrites avec tant de détails, avec une richesse telle qu'on est en droit de se poser la question de savoir où se trouve la réalité et où se trouve le fantasme. Et l'un et l'autre sont étroitement mêlés, liés dans une symphonie qui est diablement ficelée. Et en relisant ma partie, puisque maintenant je suis en train de me relire pour corriger les coquilles, pour formuler autrement, refaire des tournures de phrases, venir détailler d'autres choses un petit peu plus explicitement, etc., etc. Et en fait, j'ai découvert quelque chose qui est absolument magique, il n'y a pas d'autre terme pour le qualifier, c'est-à-dire que lorsque j'ai écrit mon roman, à la base, je n'avais pas de plan, j'avais pas de structure, rien n'était prémédité, je voulais juste offrir une histoire chapitrée, comme dans un livre classique. Et en relisant, j'ai découvert en fait que chaque chapitre correspondait à quelque chose de précis. Je ne vous dis rien parce que j'ai envie de vous conserver la surprise, donc je ne vous spoilerai rien, mais vous comprendrez en lisant le livre. Et en fait, le pire, c'est que tout, absolument
tout dans les moindres détails correspond à quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé, quelque chose que je n'avais absolument pas prévu, qui n'était pas dans mon calcul, mais qui s'est avéré totalement exact et qui venait en plus illustrer, mais d'une façon magistrale et diabolique, cette chose avec laquelle je suis lié, qui représente la chaîne aussi. Ah, je ne peux pas vous dire plus, vous verrez par vous-même. Et cette personne qui est dans la confidence, eh bien, elle aussi écrit de son côté. Et elle écrit un roman qui est dans le même style que le mien, dans le même univers. On traite de visions différentes, mais tout en se trouvant de façon simultanée, nos deux personnages se trouvent de façon simultanée dans les mêmes endroits, mais vivant chacun ce qu'il a à vivre, tout en ayant un destin croisé. Et là où c'est magique, c'est que dans les écrits de cette personne, eh bien, elle raconte des choses qui viennent se compléter aux miennes, les miennes se complètent aux siennes. Je tiens à vous préciser qu'on ne s'est pas concerté, on écrit vraiment chacun de notre côté, puis après on s'envoie ce qu'on s'est écrit, nos derniers chapitres, et c'est là que médusé, on se rend compte, ah t'as écrit ça, c'est marrant, j'écris la même chose, c'est très très bizarre. Sauf que la chose que j'écris comme une pièce de puzzle, en fait, va avoir un contour qui va venir épouser en fait sa pièce à elle. Voilà. C'est vraiment troublant. Et du coup, cet après-midi, on a pris 2 minutes pour parler, vraiment, pour échanger des choses, parce que je pense qu'il fallait qu'on le fasse. Et en croisant nos vies, on s'est aperçu aussi de choses bien précises. C'est-à-dire qu'elle a vécu des choses qui se sont terminées et débutaient pour moi au même moment. Elle a reçu des messages, des choses, des signes qui, je viens de lui corroborer leur existence, alors qu'on ne se connaît pas depuis longtemps. On a le même âge, sensiblement, on a un parcours assez similaire sur certains points, et on partage aussi une foi qui est très commune. Et en faisant le bilan, et ben, tous les deux, en fait, on se retrouve dans un sentiment assez dubitatif, très perplexe, perturbé, parce que c'est une chose de croire. C'en est une autre quand vous découvrez que tout ce en quoi vous croyez avait une existence réelle. Croyez-moi, les amis, que le futur de la chaîne va se révéler être particulier. Parce que je viens de découvrir que, à travers ce que je vous faisais, qui pour moi était déjà traité de façon sérieuse et respectueuse, mais je viens de comprendre que tout avait un vrai sens. Qu'il y avait aussi des sens cachés, que nous étions plus ou moins les marionnettes de forces qui nous dépassent. Si vous pensez maîtriser votre destin, si vous pensez maîtriser votre vie, vous allez tomber de haut le jour où vous allez découvrir la vérité. Parce que moi qui pensais pouvoir jouir de mon libre arbitre, eh ben j'ai réalisé que on m'a amené précisément là où je devais être aujourd'hui, à savoir de me tenir devant vous, de vous faire cette confession, d'écrire ce livre qui, alors, je vais anticiper vos réponses juste après, quand est-ce qu'il va sortir, comment se le procurer, etc., etc. Je sais pas comment vous dire, et je viens de réaliser aussi que l'éveil spirituel que j'ai vécu l'année dernière, les personnes qui ont été mises sur ma route, elles aussi ont été manipulées par ses propres forces. Pour moi, en fait, pour être placé sur ma route à moi, afin de me faire rentrer dans un, comment on pourrait dire, dans une forme de moule, pour me faire comprendre quelque chose, surtout pour allumer une étincelle, hein, une sorte d'étincelle mise aux poudres, comme ça, hein, pour déclencher un brasier. La période qui a suivi, les mois qui ont suivi, le déménagement, beaucoup de choses qui ont changé, qui se sont bouleversées dans ma vie, comme si à nouveau j'étais remanié pour repartir de zéro, etc. Les maladies qui m'ont affaibli, encore une fois, comme pour, voyez, comme si on m'accablait de certaines choses pour me faire repartir complètement à zéro et me dégager de plein de choses.
Et j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, parce que croyez-moi que dans ma tête, c'est déjà extrêmement compliqué, mais alors pour vous l'expliquer, c'est encore plus compliqué, vraiment. C'est simplement, j'aimerais vraiment vous faire comprendre, et de toute ma vie, vraiment, vraiment, et je le dis en toute sincérité et en toute honnêteté, de toute ma vie, c'est la toute première fois que j'ai, mais au-delà de la conviction, mais je dirais comment on pourrait la certifiance, ça ne se dit pas, la certitude, la certification. Je suis certain de qu'il y a autre chose en fait. Je peux pas vous dire autrement. J'arrive pas à formuler les mots. Vraiment, veuillez vraiment m'excuser parce que c'est la première fois, je pense, que vous devez me voir comme ça. Derrière votre écran, vous devez vous dire, oula, Jojo, qu'est-ce qu'il a vécu? Il est bizarre. Oui, je vous confirme que je suis bizarre parce que, comme je vous dis, c'est une chose de croire, c'est une chose d'être convaincu de quelque chose, et c'en est encore une autre lorsque, comme une claque en pleine figure, vous réalisez que ben, c'est réel en fait. Et que ça dépasse la logique humaine, que ça dépasse l'entendement, que ça dépasse la raison, que voilà, que tout ça. Mais si j'avais un message à transmettre, ce serait encore plus fortement aujourd'hui de vous dire que la vie telle que vous la connaissez n'évolue pas sur un seul plan de conscience. N'évolue pas sur la terre physique, concrète, pragmatique, que tout ne s'explique pas, que la science n'a pas toutes les réponses et ne les aura peut-être pas. Et qu'au-delà du spectre du visible, il existe une multitude d'univers qui coexistent avec les nôtres. Et ce que je suis en train de vivre avec cette personne, eh bien, c'est qu'on est en train de nous montrer une fenêtre sur un autre plan d'existence qui n'est pas chimérique, qui n'est pas peut-être est-ce possible, non, qui est là et qui vient de s'imposer à nous et de nous montrer que vraiment nous n'étions pas grand-chose et qu'il y avait bien au-dessus de nous des forces incommensurables. Vraiment. Et je ne fais pas référence qu'à Dieu et au diable. Non, c'est beaucoup plus mystique que ça. C'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus camailleux. Hein. C'est pas ou noir ou blanc. Non, parce qu'il y a du noir dans le blanc. Il y a du blanc dans le noir. C'est une explosion de couleurs et de choses qui se déclinent à l'infini. Et ce que nous, pauvres humains, on croit être, n'est qu'en vérité le reflet de notre propre illusion. C'est vraiment troublant, vraiment, vraiment. Maintenant, concernant le livre, rassurez-vous, je vous ferai une vidéo complètement dédiée à ça parce que cette vidéo ne sert pas ma cause en vous faisant ma promotion, pas du tout. C'était juste pour vous livrer cette information-là. Le livre sera dispo vers Halloween, normalement, si tout se passe bien, si je continue à ce rythme. Hein, comme je vous ai dit, j'ai 130 pages de fait là. Il en reste environ une centaine encore à faire, mais vu au rythme auquel j'avance, les 100 pages, je pense que dans 15 jours, 3 semaines, elles vont être terminées. Il n'y aura plus que des illustrations de la mise en page et des annexes à ajouter. Donc il est possible qu'il soit dispo pour Halloween, maximum pour la fin de l'année, ça c'est certain. Par contre, il sera disponible sur un site qui s'appelle Cool Libri, que vous connaissez. Il sera disponible à l'achat direct, c'est-à-dire que vous aurez juste à le mettre dans votre panier, à le régler et vous le recevrez directement chez vous. Il sera disponible en format Kindle et en format audio aussi, pour penser à tout le monde, hein, pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Il sera disponible pour tout le monde. Je verrai sur quelle plateforme à le mettre, Amazon peut-être, je ne sais pas, si je pouvais ailleurs, parce que je ne suis pas spécialement fan d'engraisser Amazon davantage, mais voilà, mais tout ça on en reparlera en détail, je vous ferai une vidéo dédiée quand le livre sera terminé, éventuellement quand j'aurai un exemplaire dans les mains aussi, pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous le montrer, vous le présenter, vous faire une review complète, mais voilà.
En attendant, les amis, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo parce que j'ai encore d'autres choses à vous raconter. Et puis voilà, prenez bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo.